sur Ribens, Poulet, tu travailles pour la Corge canadienne en partenariat avec la Corge haïtienne. Vous savez bien, est-ce que vous connaissez une maladie qu'on appelle choléra? Oh, choléra? Oh, c'est une maladie qui vient du mystique. Non, non, alors, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et alors d'autres, alors, le choléra, c'est une maladie venue par les microbes. Félicitations, il n'y a pas de problème. Il y a une chose vraiment importante. Il ne faut jamais dire les gens non avec leur réponse. Parce qu'on tient d'attirer les gens pour pouvoir nous entendre. Alors, après toutes les réponses, on tient à expliquer les gens c'est quoi le choléra. Vient une bactérie qu'on appelle Vibrio cholerae. Avec la cavale des sons, ça a vraiment fait l'impact. Sur, non seulement sur une ou des personnes, mais sur toute la localité. De porte à porte, comme nous venons de faire maintenant, comme les porte à porte, alors on passe chez un tel, chaque personne, chaque maison individuelle, pour lui expliquer comment il devait prendre beaucoup de précautions avec le choléra. Mais encore communautaire, les rencontres et aussi non pas seulement des rencontres individuelles, mais avec des dialogues dans des églises, dans les écoles. Et aussi des gardières aussi, des écoles, etc. À la plage aussi. Et aussi dans la danse. Vous savez bien la danse? La danse mystique. La danse du vaudou. Non. Je ne fais pas partie de la danse, mais la danse de vaudou. Alors, on essaie d'aller maintenant. Alors, c'est vraiment bien. Oh, la danse est bien. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous entendez parler de choléra? Le choléra? Oui, mais le choléra est une maladie. Il vient de l'extérieur? Non, écoute. Le choléra est une maladie. Alors, le choléra vient de bactéries Vibrio cholerae qu'on trouve dans les matières fécales, je m'excuse pour l'expression, dans l'eau, le choléra vient non seulement de matière fécale, passer à la main et tomber à la bouche. Voilà la chose la plus importante. Comment prendre le choléra? Le choléra, c'est une maladie grave, aggravante et facile à guérir et mort. Facile aussi. Facile à guérir. Alors, plutôt toutes les maladies, mieux vaut que toutes les maladies soient des choléra, parce qu'on guérit facile. Avec la sensibilisation, beaucoup de gens savent comment prendre précaution avec les choléra. Et c'était un travail difficile, parce que les gens, ils n'ont pas cru que c'est un microbe. Parce qu'il y a beaucoup de microbes en Haïti,